Mes chers amis, bonjour. Donc j'ouvre ce flash exceptionnel spécial pour vous mettre à contribution, hein, pour faire une nouvelle expérience comme j'avais fait avec Independenza TV et qui avait prouvé qu'il faisait semblant de pas lire les commentaires qui ne l'intéressaient pas, surtout concernant le fait de d'accepter donc un échange avec moi jusqu'à ce qu'il finisse par prendre quelqu'un comme ça lambda après un quart d'heure où on a tous insisté donc pour qu'il discute avec moi. Et donc là, cette personne qui a priori ne pose pas de problème, a priori, parce qu'elle dit presque la même chose que nous, eh bien sachez que j'ai tout fait depuis tout à l'heure, et j'étais pas le seul, et heureusement de plus en plus d'amis qui me connaissent. On a vu Medim Nawar partout, j'ai tout fait pour lui dire contacte-moi jusqu'à ce que je ne puisse plus écrire, je suis bloqué. Donc là, elle est très, on va dire, très axée sur Ramus, hein. Elle parle de franc-maçonnerie, ce qui est bien, mais c'est plutôt son cheval de bataille, c'est Ramus. Mais ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais par contre, de faire semblant de pas lire certains commentaires, et de faire semblant de pas voir certains avis, ça c'est pas bon. Donc voilà les amis, essayons de la contacter ensemble. Je vous invite, je vais vous mettre le lien de la vidéo où elle parle actuellement en direct. Et il va falloir, parce que moi je suis bloqué, je peux plus lui écrire. Écrivez-lui, il y a un chat donc sur YouTube. Écrivez-lui avec moi. Je vais vous mettre le lien. Medim Nawar veut te parler, il est en live, contacte Medim Nawar, foutez-lui Medim Nawar partout, qu'elle puisse pas faire semblant de pas le voir. Je vais vous mettre le lien tout de suite. On va essayer de la de voir. Hein. Hop. On va essayer de voir. Si elle fait semblant ou si c'est vraiment quelqu'un de bien. Parce que pour l'instant, je ne suis pas très rassuré. Voilà, je vous mets le lien dans les commentaires. Donc cliquez dessus, vous allez tomber sur cette vidéo où elle parle. Et je vais le mettre aussi dans le corps de la publication. Allez-y, tout le monde, elle est en train de parler en live. Elle est en train de parler en live. Allez-y tous. Je vais mettre ce qu'elle dit, comme ça, moi, le temps de partager tout ça. Qu'est-ce qu'il vous apprend, Troué? Et Maxime et les autres, ils vous apprennent quoi? Ils vous apprennent quoi? Quand vous leur parlez de la franc-maçonnerie, ils vous disent qu'ils ne savent pas, des vrais incultes ou des collabos? On a besoin d'un leader, sinon c'est la guerre civile. Bah écoutez, allez, 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 enchaînez et prosternez-vous pour les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai besoin de personne, moi, j'ai besoin de ma connaissance et mes camarades. Voilà dont j'ai besoin. J'ai besoin de bonhommes qui s'alignent. Il n'y a personne devant l'autre, on est tous dans le même rang. Voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de personnes indépendantes. Voilà de quoi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'un leader. Et la femme, Arrêtez avec votre mais là, mentalité non, d'esclave, s'il vous plaît. Merci. c'est elle, c'est Marine qui assume notre ami, comment s'appelle, Ramos. Enfin bref. Donc, continuons. Ah, t'es pas au courant. Leader, en fait, on dirait on est en train de jouer au basket. On dirait on est en train de jouer au basket. Il y a deux clans. Il y a le clan ennemi et nous. Il n'y en a pas trois. Il y a deux clans. D'accord? Il y a le peuple et le gouvernement et ses sbires. Il n'y a pas trois. Donc pourquoi tu as besoin de leader? Tu as besoin de leader. Le leader, il sera achetable. À chaque fois que vous allez mettre un leader en place, il sera achetable. Croyez-moi. Enfin, croyez-moi si vous voulez. Je ne vous oblige pas à me croire. Mais je vous dis juste, je ne suis pas là pour vous jeter des fleurs ou me jeter des fleurs ou vous dire tout va bien. Non, vous inquiétez pas. On va... Non, non, on n'a pas besoin de leader.
On a besoin de notre union et l'union, elle vient par la connaissance. Arrêtez de vouloir toujours, vous avez besoin de voir un drapeau devant vous. C'est notre union, on est français, non? Pourquoi? Un philosophe peut-être devant... mais le leader, il sera toujours achetable. À chaque fois que vous allez mettre un leader en place, vous mettez un collabo en place, sachez-le. Un vrai résistant refuse le pouvoir. Il n'y a pas de leader. Ça, c'est une chose qui se fait peut-être plus tard naturellement. C'est-à-dire quelqu'un qui, par sa nature, il y a le meneur. Le meneur, il parlera même pas aux caméras et journalop. Il va leur dire leurs quatre vérités en face. Comme j'ai fait devant RT, Russia Today, qui elle aussi est une télé corrompue. Même RT France, c'est corrompu, même si c'est la moins pire. Vous pensez quoi? Vous pensez que... Et comment il s'appelle, Poutine est un bon? C'est le moins pire, on va dire, dans une situation actuelle. Mais vous pensez que Poutine est parti en Syrie donner un coup de main à Bachar gratuitement, humainement parlant? C'est parce qu'il veut sa part du gâteau. Et lui aussi, guette et a des intérêts différents des autres, mais il a aussi des intérêts en que la France rentre en guerre. Afin que lui aussi, il met son pied ici. Et si la Russie est en France, on est foutu. Les seuls qui ont la capacité de défendre la France sont les Français. Et c'est le peuple et personne d'autre. D'accord? C'est possible, on peut, quand on veut, on peut. Mais il faut être prêt à mourir. Tout simplement. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être prêt à mourir pour ses valeurs. Telle est la réalité. Leader, continuons. Pas possible. Non, normalement, on a un certificat médical, on a une prise de sang, on a à la limite une plainte déposée au commissariat de police le plus proche. Hein? Mais quand c'est du fake et que ça vient d'imaginaire, il n'y a rien. Il n'y a zéro, rien. Non, il n'y a pas rien. C'est du fake. Tu parles comme Macron, Ramos. C'est... Mes amis, voyez, tout le monde est en train de lui écrire. Allez-y tous, dites-lui, Medim Nawar veut te parler. Voilà, regardez, là on voit Cisco Chen qui dit, regarde Medim Nawar, il est très bien, il veut te contacter. Elle fait genre depuis tout à l'heure qu'elle ne le voit pas, et ça, c'est très inquiétant les amis. C'est incroyable ce que le système peut-être nous a pendu. Hein. Pour l'instant, je laisse ça au conditionnel, mais c'est très inquiétant. Quelqu'un pour détruire leurs propres agents, et pour capter donc votre attention, écrivez-lui Medim Nawar comme vous pouvez, que je puisse discuter avec elle. Maintenant, si elle dénonce les célébrités et qu'elle-même elle en fait partie, nous avons un sacré problème. Hein. Allez, écrivez-lui Medim Nawar, inondez-la de Medim Nawar, comme ça elle ne peut pas faire exprès qu'elle n'a pas vu. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas réussi, j'ai été bloqué au bout d'un moment, je ne pouvais plus écrire. Regardez, je vais essayer en direct. Je vais envoyer. Voilà, c'est passé. On va voir si elle fait, si elle le lit, si elle fait. Il y a encore Christo Chen qui envoie carrément des voitures de police. Il dit, regarde Medim Nawar, il est très bien, il veut te contacter. Il a envoyé des bagnoles de police. Excellent. Et... Antivaude en France, il écrit le Mahdi veut vous sauver. Les amis, dites-lui que je veux lui parler, qu'elle arrête cette comédie, de faire semblant qu'elle ne le voit pas, parce que des fois elle lit quelques commentaires, bien entendu comme d'habitude, ceux qui l'intéressent ou ceux qui la personne qui est à côté d'elle lui a donné. Je vais la remettre. Tiens, regarde, Maïtouk, Sarah, Mehdi veut vous parler. Tu n'es pas aveugle quand même, Sarah. Tu vas pas nous faire le coup de Flyrider et de Drouet, hein. Tiens, Iclostar, Vingar, Mehdi veut vous parler en direct. Écoute ce qu'il a à dire. Regarde toutes les icônes pour qu'elle voie. Tiens, Nabiha Sherif, contacte Medim Nawar, veut vous parler. Contactez-le urgent. Allez, tu vas pas continuer à faire longtemps que tu le vois pas, Sarah. Hein. Moi, je vais mettre un bandeau en bas de l'écran pour toutes les autres chaînes. Donc, qui me reçoivent, parce que je diffuse sur plein d'autres chaînes
qui, comme sur Facebook, me reçoivent mais ne peuvent pas voir mon commentaire parce que moi sur Facebook, j'ai donné le lien de cette vidéo. Vous pouvez trouver cette vidéo. En revanche, mes amis, si vous n'avez pas le lien, si vous êtes sur Periscope, sur VK, le Facebook russe, si vous êtes sur mon compte de secours YouTube, eh bien voilà, le nom de la vidéo, essayez de taper ça dans la recherche Google ou YouTube. Elle est en train de parler en direct, hein. Et nous sommes là, elle fait un succès fou, hein, parce que 382 personnes qui sont en train de regarder en direct. Vous voyez que les likes et les dislikes sont à peu près équilibrés. Moi, je me prononce pas. Et vous voyez que mes amis ne manquent pas de lui proposer d'entendre parler de moi, de me contacter, que ce soit en live. Regardez là, regardez les alarmes de police. Madame Bouquet, Nedim Nawar veut vous parler, urgent s'il vous plaît. Tiens, on va la laisser, parce que c'est intéressant d'entendre qu'est-ce qu'elle peut dire en attendant de faire semblant. Vous verrez que tout à l'heure, elle fera semblant de lire un commentaire gentil. Donc elle lit bien de temps en temps. Regardez. Moi, personnellement, je ne porte plus mes talons depuis un moment, quoi. Moi qui ai une femme, hein, mais bon, je vais vous épargner cela, hein, mais bon, moi, il ressemble un peu à... Il est dans le délire de Hassan Bilali, Bilali Hassan, je ne sais quoi, là. Ceux qui font la place, enfin, prennent un peu... Ceux qui traitent les femmes de jalouses, enfin, bref. Donc on se comprend. Mais voilà, en fait, il vous montre sa plainte, mais cette plainte, elle va traîner et ça va lui donner le temps, ça va le blanchir, d'accord, quand on ne connaît pas, quand on n'est pas lucide, et lui donner le temps de bien s'installer chez Hanouna, renverser la situation en, et faire en sorte, en fait, au lieu de répondre aux questions, non, il va appuyer sur cette affaire pour avoir plus de notoriété, plus de buzz, parce que ça, c'est une pute à buzz, hein, excusez-moi pour le mot. Et comme il n'avait pas réussi dans sa postulation à Secret Story en 2015, dans son... Regardez mes amis, pendant qu'elle nous parle de Secret Story, tout ça, regardez, elle n'a que ça. Gérald Lacoste, Nedim Nawar avec plein de réveils. Karout Mahieddine, mon pote, on veut que vous ayez un échange avec Nedim Nawar, amical, pour valoriser cet échange en monologue. Elle fait semblant de ne pas voir. Depuis tout à l'heure, on voit que des Nedim Nawar veut te parler. Elle fait semblant de ne pas voir. Regardez, Sylviane Boncompain avec des énormes. Medim Lawar a besoin de te parler, Sarah. Regardez les panneaux qu'on lui envoie depuis tout à l'heure. Parce que là, c'est enfin là, c'est clair. Lui, il est balayé, hein. Lui, il est enterré. Façon de parler, hein. Lui, ça y est, c'est ça. On n'en parle plus, on passe à autre chose, hein. On passe à Drouet et à Vous ne Maxime. me Hein. prouvez. Lui, c'est mort, comme la Vous donnez rousse, là, d'autres la rouquine, éléments. là. Pardon. Vous voyez ici, est-ce que vous connaissez l'affaire Cahuzac? Voilà. L'affaire Cahuzac était le ministre de Hollande qui avait dissimulé son argent et qui a été condamné par la justice d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait fait, Cahuzac? Hein? Il avait parlé à Jean-Jacques Bourdin en disant que regardez-moi les yeux dans les yeux, je n'ai jamais volé, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pourtant, ça ne l'a pas empêché. La justice a démontré comme quoi il avait menti et comme quoi il avait dissimulé de l'argent. Et pourtant, ça ne l'avait pas empêché de faire quoi? Cahuzac dépose une deuxième plainte en diffamation contre Mediapart. Et pourtant, Mediapart avait raison. Donc, Voilà. ça... Nabiha Chérif, tu m'as tué. Et si elle peut pas voir ça, c'est qu'il y a un problème, hein. Alors là, si elle peut pas voir tous les feux là partout, Sylviane Boncompain, Nedim Nawar, il veut te contacter, Sarah. On lui parle gentiment, hein. Personne ne l'insulte, personne ne la menace, hein. Franchement, moi je croyais vraiment que c'était quelqu'un de bien, hein, quand vous avez commencé à me l'envoyer. Là, il y a Xabe Jungle qui donne l'adresse de la franc-maçonnerie il me semble que c'est le Grand Orient ici, hein, à force on connaît, hein. Non, non, ça me fait penser à Fly Rider, voilà. Ça me fait penser, ça m'inquiète. Alors, ça,
C'est un démarcheur. Ça m'inquiète, ça me fait penser un peu à, comme je vous ai dit, à Flyrider et compagnie. Elle fait un monologue. Sylvain de Bancampin, non, mais Medim Nawar. Bon, bah, allez, on va l'écouter. Vous dire que la plainte portait plainte et vous montrer une feuille comme ça, ça veut rien dire, Ramos. Et on est gentil, on n'a pas appelé au lynchage parce qu'à jadis, les collabos, ils se faisaient mitrailler. Hein. Mais nous, on n'appelle pas, nous, on n'est pas. Nous, on est une résistance différente. Mais moi je dis, pour l'instant je dis que t'es une résistante, mais bientôt je vais changer d'avis, hein, parce qu'à force là, je vais me dire que tu fais exprès. Hein. La Cisco Chain qui dit Medim Nawar, il est très bien, il veut te contacter. Tout le monde qui lui dit partout contacte Medim Nawar, et vous avez la personne qui voit pas autant de messages, autant d'alertes, autant. Regardez les gyrophares. On peut pas passer à côté de ça sans voir, c'est pas possible. Hein. Donc moi, je vais dire, tu t'es gentil, mais je commence à m'énerver là, hein, et je suis pas le seul, hein. Voilà, 100 000. Regardez, condamnation. Regardez s'il vous plaît. Exécuter leur peine. T'imagines? Juste parmi les Voilà. condamnés, imaginez les gars, juste parmi les condamnés, il y a quand même 100 000 personnes condamnées Qui n'ont n'ont pas pas encore encore exécuté exécuté leur leur. peine. 100 000 condamnés qui n'ont pas encore exécuté leur peine. Il veut du temps. Il veut du temps afin qu'il puisse lui aussi se payer la... Parce que si il tombe, bah Hanouna ne va plus se servir de lui. Hein. Hanouna n'aura plus besoin de lui. Hein. Même s'il le met quand même sur le plateau, il sera mal payé. Parce que ça y est, il est. Bah c'est comme le jour où Débila, sa collègue, a poignardé 100 mecs. Bon, ce n'est pas pareil, parce que là, on parle de politique. Mais enfin de. Mais je vous dis, en fait, le jour où elle a poignardé 100 mecs, il l'a jeté. Vous allez me dire, ouais, mais elle a quand même poignardé. Entre poignarder 100 mecs et vendre l'idiocratie au peuple, les deux sont un crime. Vendre l'idiocratie. Les amis, je suis en train de préparer un bandeau, hein, pour que les autres copains qui me regardent sur d'autres réseaux puissent avoir l'information et le lien. Hein. Je suis là, ne vous inquiétez pas. C'est comme mettre le fluor dans l'eau, aussi est un crime. Il y a plusieurs types de crimes, hein, ou empoisonner quelqu'un. Ah, Ramos, c'est un crime aussi. Continuons. Mais moi, je... Regardez Oh! comme il voit comme il. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Il a l'habitude de. Il a travaillé ses cordes vocales. Hein. Mais bon, ça, c'est un petit. Ça, il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. Oh! Tu travailles tes cordes vocales. Hein. Tu cries souvent, toi. Hein. Parce que même nous, on a perdu l'habitude, hein, les résistantes. Hein. On travaille plus les aigus. On est terre à terre, tu vois. Oh! C'est. Alors, maintenant je vais vous présenter un truc. Moi aussi, j'ai un casier judiciaire, vierge. Regardez ici. Je le montre bien en bleu. Alors, lui qui a donné les références. Alors, je cache ici mon adresse, etc., etc., mon nom et tout. Alors, attendez. Par contre, ici, on voit bien, c'est marqué. Ici, c'est référence. En bas, vous avez une référence. Vous avez plein de chiffres. Désolé, c'est un peu flou. Voilà. Je vais essayer de le montrer. Voilà, ses références. Là, il n'a pas donné. Par contre, premièrement, il n'a pas donné ses références. Ça, ce qui est ingénieux. Donc, lui qui a donné le dépôt, on va dire le numéro de dépôt de plainte de la police, ça, il le donne, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il n'a pas donné la référence. De plus, moi, mon truc, par exemple, on me l'avait délivré, regardez bien, attendez. On me l'avait délivré en 2017. Pourquoi en 2017? Parce que je devais travailler pour le ministère congolais. Et voilà, je devais travailler au Congo Tadoua. comme conseiller dans un ministère. Donc il fallait avoir. Voilà. Entre-temps, on est 2019, j'aurais pu le comprendre, par exemple en 2018. Mais Vous étant voulez donné que j'ai suivre ça? gardé aussi mon truc de 2017. On est.
donc, les amis, dire, déjà, quand on a une fiotte à la tête du gouvernement qui nous a ramené « Je suis noir, PD, fils d'immigrés », c'est-à-dire qui nous a foutu une honte pas possible devant le monde entier, c'est-à-dire que n'importe qui va vouloir venir nous balayer, parce que voilà. J'ai pas envie de vous décrire la scène, vous savez très bien, je suis pas en train d'attaquer les homosexuels, mais je vous dis juste que bon, on a quand même besoin de force quand il s'agit, parce qu'apparemment il est le chef de l'armée, donc à un moment, vous savez, on n'est pas dans un monde de bisounours, on a besoin de cojones un peu, façon de parler, pour, enfin cojones façon de parler, hein. La preuve, on est des femmes et on est plus sérieuse que ces tafioles. Mais ça suffit les tafioles, hein. Dispersez-vous. Hein. Allez, enfin les tafioles, désolé. Hein. Les tafioles, moi je marche pas avec les tafioles hein, par contre, hein. Ça je le dis et je l'assume. Hein. Même si je marche avec un seul personne, au moins c'est voilà, moi je marche pas avec les tafioles, hein. Que ce soit bien clair. Hein. Pendant la guerre, moi, je marche pas avec les tafioles. Que ce soit bien clair. D'accord ? Ça suffit. Hein. Parce que les... vous n'allez pas être au premier rang avec vos talons et vos rouges à lèvres. Hein. Alors, dispersez-vous les tafioles, s'il vous plaît, et faites-vous petit en ce moment. Hein, parce que... On a peur. En fait, j'ai peur que l'ennemi vous kidnappe et qu'il nous fait du chantage par vous. Hein. Vous voyez, c'est un peu... De 2019, on va dire le plus... On va dire nous vendre pour une purée, donc, perruque. Là, c'est une technique de manipulation. Nous vendre pour un string. Vous avez compris. Premièrement, il n'a pas donné le numéro de référence. Oh deuxièmement, ce papier-là, il n'est même pas visible. On voit bien le mien, il est bien bleu, etc. Là, il est bien visible, il montre rapidement. C'est un manipulateur, il montre toujours des choses rapidement, afin qu'on ne voie rien. La plainte, on n'a rien vu, on n'a pas vu de nom, on n'a pas vu son nom. On sait très bien qu'il s'appelle Lawini, machin Mohamed, Lawini et tout. Et au fait, on n'a rien vu. C'est une technique de manipulation. C'est qui m'a dit, moi, Mnawar, les gens, je connais pas. Ah, allez, viens. Oui, oui, allez, contre viens. Qui, les plaintes? Contre Corbier, Jackie, contre qui, au fait? Corbier. Hein, tu peux faire aussi des photocopies, mais il y a des plaintes, au fait. Pourquoi? Parce qu'il rajoute dans l'argumentation, il rajoute encore plus. Bienvenue, Anthony. En fait, pour faire du sensationnel, pour dire, putain, il a fait beaucoup de plaintes. Allez, viens, j'arrête pas de t'écrire, viens. Je vais survoler un petit peu la vidéo, parce que bon, je vais vous laisser le soin de découvrir. Alors, c'est la vidéo de François Gilet Jaune Radical, que je salue. J'ai juste envie de vous montrer une autre... alors, attendez... Allez-y, continuez. Vraiment, parce que l'Assemblée, il m'a semblé qu'elle m'a vu, là, à l'instant. Doublé, ce sèche parti, on va dire, c'est un film animé 3D, une animation 3D dégueulasse, sexualisée, dégueulasse, ah oui, on va dire. Je vous ai pas dit. Attendez, excusez-moi. Donc, j'ai envie de crier ce matin, je travaille mes cordes vocales comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait. En fait, vous connaissez le fameux dessin animé Sausage Party. Ce dessin animé qui est fait pour les enfants afin de les... Que ça soit là, en bas. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez, vous, à des chakras. Quand la personne, elle pense en bas, elle est dans les basses vibrations. Elle ne monte pas au chakra. Oh là là, là, ça va partir loin. Et hein. Du coup, elle devient bête. Bête pas à quatre pattes, mais presque. Donc, en fait... Allez, tu me contactes ou pas, là? J'assume, je le dis, parce qu'il participe au CRIF, il est sioniste, hein, ça, je le dis clairement. Ah, là, ça ce sionistar d'Anouna, le collègue à Ramos... celui qui a invité aussi ses copains. Alors, je t'attends. Est-ce que tu me contactes? Donc c'est elle qui a un problème réseau. Alors vous voyez, c'est écrit bug, bug. Tout le monde lui écrit qu'elle bug. C'est elle qui a un problème de réseau. Tu viens ou pas là? T'as lu Mehdi Mnawar à l'instant? Ah, tout le monde lui dit qu'elle bug. Tiens, voilà, il y a mon ami Alexandre Navarro, et pas le seul. Salut Jeanne, je prends au vol, mais je me permets de vous adresser un lien vers un de mes contacts, Mehdi Mnawar, que je recommande. Merci frérot, merci à tout le monde. De toute façon, ça restera enregistré vos commentaires.
parce que moi mes lives restent sur toutes mes chaînes. Je diffuse en simultané sur VK, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch. Donc tout ceci restera, hein. Y en a marre de ceux qui font des lives, qui font semblant de ne pas lire certains commentaires mais qui lisent les autres. Là pour l'instant, je lui laisse le bénéfice du doute, même si ça commence un peu, franchement, entre nous, à me gonfler. Voilà, bon, décide-toi, Jeanne, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Tu vas dire que tu as été attaquée. Voilà, bon, elle est là. Allez, Jeanne, ou Sarah, ou peu importe. Alors je reviens On avec s'appelle ou pas, Sarah? Tu arrives à lire ou pas? Ah, Sarah n'est plus là. Sarah a coupé. On va apprendre dans quelques jours que c'est parce que elle a été censurée. Et pourtant, le chat, il est encore là, hein. Vous voyez, le chat, ça continue à défiler, hein. Voilà, bon, moi, je suis, allez, on va dire, très déçu. Les plus éveillés d'entre vous devraient être comme moi. Je commence à me poser de sérieuses questions, hein, sur cette personne qui vient, bon, qui n'invente rien de nouveau, hein, c'est le fait comment dire, de pas faire confiance à Maxime Nicole, Drouet et tous ces gens-là. Elle n'a pas inventé, encore une fois, le fil à couper le beurre. Ça me fait penser un peu à Priscilla Ludowski, hein, qui a fait une pétition, et sa pétition, comme par hasard, s'est retrouvée bombardée à 1 million de signatures, ou Jacqueline Gourault qui fait une vidéo. Franchement, tout le monde insulte toute l'année, depuis des années, que ce soit Hollande, Macron, n'importe qui, jamais on a vu une vidéo comme ça atteindre 5 millions et faire que la personne puisse faire le tour des plateaux télé. Alors, est-ce que Jeanne, on va te voir bientôt chez Prod, sur CNews, à côté de Zineb Arzaoui? Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que tu es vraiment une chercheuse de vérité? Là, tu m'inquiètes beaucoup, hein. C'est comme Momo de Independenza TV, hein. Vous m'inquiétez beaucoup à faire semblant de pas lire, de pas voir, hein. Bon, c'est vraiment frustrant, pour pas dire autre chose. Hein? Voilà, je ferai ponctuellement des actions comme ça, hein. Ça permet quand même d'éclaircir, hein. Plusieurs situations, hein. Donc on voit que le chat s'est arrêté. Voilà, je suis là, les amis. Alors, Sarah, qu'est-ce que tu nous fais, Sarah, et d'où sors-tu, Sarah? Je vais aller voir quand même son historique. Là, elle a démarré un autre live, je le vois. Moi, franchement, je n'avais pas de doute sur elle. Là, tiens, regardez. Regardez, vous êtes dessus. Tiens, je m'enlève. Je m'enlève, regardez. Regardez son profil. Son profil est vide. Elle a commencé à faire des vidéos il y a une semaine. Donc là. Et elle est en direct ici, vous voyez. Allez, on va compter 4, 8, 12, 14 vidéos en tout et pour tout. Pour quelqu'un qui se dit dissident dans la dissidence et qui a été bombardé d'un coup sur sa critique sur Ramos. C'est quand même étonnant, hein. Et puis elle a 1736 abonnés sur une chaîne vide. Alors que moi, personnellement, sans vouloir me plaindre, j'ai fait depuis des années des vidéos, je suis à peu près 300 vidéos plus, bientôt 350, et que j'ai à peine 400 abonnés. Je vais vous dire une chose, comme vous savez, ce que je dis souvent, ça pue.
Ça pue vraiment. Alors, on va essayer de regarder mon profil pour vous montrer. Ça pue vraiment. Donc là, c'est mon live à moi, vous voyez. Hop. Alors ça, c'est ma chaîne de secours. C'est pas ici que je voulais aller. Alors attendez. Voilà, ça c'est ma chaîne principale. Je ne peux pas diffuser de live dessus pendant 90 jours. Donc là, si vous regardez, bon bah ça c'est mes des vidéos par exemple qui ont fait des fois 3500 vues. Hier, je vous ai montré une vidéo qui a fait 48 000 vues. Regardez ici, je parlais déjà de purge sous faux drapeau il y a 3 mois. On va regarder la date. Regardez, on va regarder la date de cette vidéo. Elle a fait presque 2000 vues le 1er novembre 2018. Déjà, je dénonçais pourquoi la grève du 17 novembre servira de purge sous faux motifs. Et j'ai mis les liens sur les vidéos par rapport à la grève. Donc, au départ, ça devait être une grève. Et donc, j'ai fait une vidéo le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre, le 6 novembre pour dénoncer. Celle du 6 novembre, vous trouvez même Jacqueline Gourault qui est mise à nu, qui est mise à poil. Mes chers Regardez, amis, bonjour. Jacqueline Gourault. Santé, parler d'éducation nationale, parler de justice. Voilà, je l'ai Donc il n'est totalement, pas soumis aux conneries qu'ils nous imposent. totalement Donc il faut dénoncé. arrêter les conneries dans ce Regardez cette pays vidéo, et vous on ne verrez. les entend pas. Là-haut, Tout est les dedans. manipulateurs. Que l'être humain survit par la recherche première de son intérêt. Qu'il faut. Elle est chez Saber Solo et j'ai dénoncé cette chaîne, hein, ce manipulateur Saber. Ils sont tous ensemble, ils s'invitent tous ensemble. Hein. C'est le problème, il est là. Hein. Même il lui dit à la fin, quand elle invente une histoire sur une femme qui aurait été jetée dehors, retraitée de l'éducation nationale, qui a travaillé toute sa vie, et elle dit qu'elle touche une retraite de 800 euros, ce qui est un absolu mensonge. Eh bien, Saber Solo, là, encore une fois, le manipulateur lui dit: Ah ben c'est pas normal quand on sait qu'on donne des logements à des clandestins. Donc là, direct, j'ai dit: Allez, ça pue, c'est pas normal. Allez, 1500 vues, j'ai envie de dire uniquement. La vidéo date du 9 novembre, avant même le 17 novembre. Elle était déjà dénoncée par votre serviteur. Donc voilà, moi je suis. Je n'ai pas la chance d'être exposé comme certains. Méfiez-vous à chaque fois de ceux qui sont exposés d'un coup. D'ailleurs, je me moquais, je disais bonne stratégie de mobiliser tout le monde pour le 17, alors que les grands de ce monde auront paradé la semaine du 11. J'ai tout fait pour sortir les gens au 11. Décryptage de Jacqueline Moureau, copie de ces idiots utiles, véhiculateurs comme Corinne Exister en liberté, Saber Solo, Jim Le Veilleur, TV Blocus, Insurgé, l'UPR, Maçonnerie et bien d'autres. Tout était dit, regardez la date de la vidéo. Bon, on va aller voir maintenant dans ma collection de vidéos pour que vous voyez à peu près depuis quand je fais et combien de vidéos je fais. Donc il faut aller dans l'onglet vidéos. Et là, vous voyez donc les vidéos des plus récentes aux moins récentes. Moi, entre-temps, je vais essayer parce qu'ici, je me suis déconnecté. Voilà, vous êtes toujours là, super. Donc là, regardez. Là, j'ai uploadé cette vidéo. C'est mon live avec vous sur Facebook hier. Parce que je vous rappelle que cette chaîne, je suis interdit de live pendant 90 jours. Donc je fais les lives sur l'autre chaîne que je vous ai montrée à l'instant. Et après, tranquillement, je mets les vidéos enregistrées du live de la veille qui est passé sur tous mes comptes Facebook, etc. sur mon compte, donc celui-là, YouTube. Principale, donc celle-là, elle vient d'être publiée à 2 h, mais moi, vous le savez, vous étiez avec moi, j'avais fait cette intervention hier vers 22 h. Donc là, la vidéo que vous avez vue, que j'ai mise sur mon Facebook, elle est là aussi, et là, vous voyez tous mes lives, ceux qui apparaissent, hein, parce qu'il y a beaucoup de lives. D'ailleurs, là, il y a une erreur sur la date, c'était du 19, celle-là, je vais la corriger. Hein, là, c'est donc, ici, c'est le live du 20, ici, c'est celui du 19. Tiens, bon, allez, comme ça vous découvrez, vous allez dans l'envers du décor, comment on fait. J'ai changé la date en direct devant vous.
présente le 19-20 sur FR3. Voilà comment on fait, les amis. Et on vient ici, et donc on met 19. Voilà, ici c'est pareil. Pourquoi cacher? Je veux dire, on est là pour ça, entre nous. Hein. Je vais mettre un écran de fin. Alors non, on va enregistrer d'abord les modifications. Et après, s'il me permet, je mettrai un écran de fin. Comme ça, ça vous permet de voir ce que c'est un écran de fin. Je vais importer quelque chose de déjà prêt. On va essayer de voir celle-là, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà, l'écran de fin, c'est quoi? C'est ça. C'est à la fin de voir, voilà, une proposition de s'abonner à une chaîne, plus de regarder, par exemple, là, c'est l'analyse sur Christophe Détinger, le soir même, hein, le soir même qu'il y a eu l'épisode du boxing. Donc voilà, c'est ça, les ajouter un élément à la fin. Voilà, d'habitude, j'ai pas le temps pour le faire. Là, voilà, je l'ai fait. Vous verrez que sur mes autres vidéos récentes, il n'y est pas, cet écran de fin. Donc maintenant, allez, on revient. Voilà, vous avez vu en live le changement de date. Alors, il faut rafraîchir pour voir la prise en compte. Voilà, le 19. Eh bien, bienvenue, Angélique Petrucci. Tout le monde t'a vu, tu es mon nouvel abonné. Donc, vous voyez, j'ai changé la date devant vous à l'instant. Et donc là, on va essayer de descendre vite pour que vous voyez. Ici, c'était l'analyse sur l'orchestration donc concernant la soi-disant attaque contre le fourgon de police sur l'A7 à Lyon. Et donc, vous, pour mes abonnés, pour ceux qui me regardent en live sur Facebook, vous avez vu la plupart de ces vidéos. Mais vous voyez, à chaque fois que ça saute, là par exemple, on passe du 10 au 12, c'est que la vidéo du 11 a été censurée par YouTube. Alors, vous voyez, il suffit de suivre les dates. Hein. Ici, regardez, on passe du 14 direct au 17. Eh bien, le 15 et le 16 ont été censurés. Ici, vous voyez, 4, 5, on passe directement au 7. Le 6 a été censuré. Voilà, bon, allez, c'est pas le but. Je vais chercher tout à l'heure pour voir le nombre total de mes vidéos, mais vous voyez, j'ai pas commencé à faire des vidéos d'aujourd'hui, hein, ni de cette année. Hein. C'est juste pour que vous commenciez à enquêter hein, sur des gens avant non seulement de venir me les proposer, mais en plus de vous-même y croire. Hein. Je vous invite à regarder. Vous voyez, moi j'avais proposé. Déjà dès l'acte 5, regardez l'affiche de l'acte 5 que je voulais mettre en place. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais acte 5, faire respecter la séparation des pouvoirs à la franc-maçonnerie. Je pense que ça va aller vite, on va pour la couverture. Voilà, regardez. Regardez cette couverture. Maintenant, je comprends hein, pourquoi j'ai toujours parlé dans le vent hein, pendant tout ce temps-là. Vu que les soi-disant représentants de la... des gilets jaunes sont tous tenus et installés par le système, je pouvais essayer indéfiniment, hein, ça n'aurait jamais marché. Hein. Donc là, je montrais déjà hein, les brassards des casseurs, brassards police, et mon affiche, elle est sans équivoque. Hein. Acte 5, faire respecter la séparation des pouvoirs, laïcité à la franc-maçonnerie. Je vais dire, il n'y a pas plus explicite. Hein. Et non, apparemment... les leaders hein, ne sont pas intéressés par ça. Donc vous voyez mes vidéos, hein, ça cherche pas très loin au niveau vue. Hein. Malheureusement, hein, on est centaines de vues par-ci, centaines de vues par-là. Donc ça, c'est bon, on va pouvoir quitter. Je voulais aussi, tant qu'on est là, là c'était pour dénoncer donc l'attentat de Strasbourg immédiatement. Hein. Vous voyez, 300 vues, hein, malheureusement. Je voulais vous montrer... vous, non, c'est, voilà, c'est ça. Cette vidéo, mes chers amis, elle est très importante. Essayez de la voir. Attention, gilet jaune. 214 vues uniquement, malheureusement. J'avais déjà mis un condensé de manipulateur du net dedans.
Donc cette vidéo, attention gilets jaunes, plan diabolique mis à nu, du 8 décembre 2018. Voilà, regardez-la, elle a été vue malheureusement que par 200 personnes. Je dénonce beaucoup, beaucoup de monde, d'ailleurs elle est longue, elle fait 1h20, vous avez des politiques en passant par plusieurs sites internet et des images et des faits qui ont été comment dire, partagés hein, sur Messenger et partout, des comptes YouTube comme celui-là, que beaucoup Mind Control, hein, regardez, il a 46 000 abonnés, hein, 46 000 abonnés. Hein. J'ai dénoncé tous ces comptes. Vous voyez, Mind Control, 46 000 abonnés. Après, bon, ben voilà, des uberlulus comme celle-là, qui fait une vidéo hein, de vide, de conneries. Elle fait déjà, à l'époque où moi je l'ai prise, presque 10 000 vues. Vous avez vu mes vidéos, regardez cette vidéo par exemple, où je dénonce le plan diabolique, 200 vues. Et là, des conneries, et en plus elle aide à propager les conneries, 10 000 vues, 1500 abonnés, hein, sortir de la matrice en plus, sortez de la matrice, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous parle à tous. Hein. Et bah, regardez, beaucoup de gens que vous connaissez hein, qui sont dedans. Hein. Là, voilà, Stan Mayo, regardez, le manipulateur, le grand haut manipulateur que beaucoup encore sont en train de croire. Attends, j'ai enlevé le bandeau parce que là. Vous voyez, Stan Mayo, je le dénonçais déjà à l'époque. Hein, 35 000 vues. 35 000 vues sur des vidéos de merde comme ça, pardonnez-moi l'expression. 35 000 vues. Hein, 35 000 vues, les amis, sur ce compte-là. Francisco Sanchez, qui a juste 1300 abonnés. 35 000 vues pour raconter des conneries et des inventions sur un projet Alfie dont on ne connaît pas le début du commencement d'une preuve. Il n'y a que lui qui a des secrets comme ça, qu'il vient à chaque fois face à écran les balancer et gratter des vues à ne plus en finir. 35 000 vues. Et pour que après des Uberlulu le citent un peu partout, parce que tout à l'heure chez la Sarah Anne, je voyais beaucoup qui disaient ouais, Stan Mayo, ah Stan Mayo c'est bien, tu devrais. Lui, c'est un vrai résistant comme toi. Hein, je les avais démasqués, pas de cette année, mais là c'est clair, je vous ai tout foutu sur une vidéo. Et il en manque beaucoup, hein. Il n'y a pas que cela. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être la rajouter, la Sarah Anne. Hein. Je vais peut-être la rajouter. Hein. Là, un grand manipulateur que vous connaissez. Voilà. Ici, une Uberlulu voyante, 15 000 vues. Hein. 15 000 vues qui parle, soi-disant, à quelqu'un qui a un contact avec l'au-delà. Alors, elle le masque comme ça. Elle lui pose des questions et puis l'autre il dit oui, je pense qu'il y a une manipulation. Oui, il est connecté avec l'au-delà. Rachel Fortin, 15 000 vues sur cette vidéo. Là, on voit mal en bas, mais regardez le nombre d'abonnés. Attendez, je vais mettre que ça tourne. 7900 abonnés, les amis. 7900 abonnés. Comment vous pouvez passer autant de temps sur des conneries pareilles? Ensuite, qui j'avais mis d'autre? J'avais mis un sacré paquet de gens. Tiens, Jean Drock. Jandrock, que vous suivez, 24 000 abonnés, 24 000 abonnés, 28 000 vues sur cette vidéo, 28 000 vues. Hein. C'est quelqu'un donc qui n'est pas médecin, qui traduit des travaux en anglais, ce qui est bien, médicaux, hein, des travaux médicaux en anglais, de l'anglais vers le français. Donc il fait un travail effectivement de collecte et de recherche et de rassemblement et d'assemblage d'informations médicales intéressantes, mais pour le reste, c'est un manipulateur comme les autres. Hein, il a renvoyé les gens comme les autres vers les mauvais gilets jaunes. Il tient un discours ultra-gauchiste, d'ailleurs c'est pas son écharpe rouge qui vous fera penser le contraire, hein, comme un certain manipulateur sur BFM TV qui porte toujours l'écharpe rouge. Hein. Ensuite, là j'avais montré à l'époque que j'avais fait une vidéo, regardez la coupe que j'avais. J'avais fait donc cette vidéo qui a été censurée une première fois, que j'ai remis. Et donc, vous voyez, la première fois qu'elle a été censurée, on voit l'adresse, la date en bas là, le
22 avril 2017, c'était à la veille du vote où je disais, faut surtout pas voter Macron, au moins votant, là je suis en train de le montrer, le 22 avril 2017, j'ai dit au moins votant pour Marine Le Pen, au moins on aura peut-être une révolution dans ce pays. Eh bien là, je suis content que ça arrive. Bon, certes, c'est 2 ans plus tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais déjà à l'époque, j'appelais à ne pas voter Macron et dans un espoir de déclencher une révolution comme aujourd'hui, à voter Marine Le Pen. Rien que pour justement, encore une fois, dans un but stratégique de mettre de la contestation dans les rues. Et ils m'ont bloqué, regardez, ils m'ont bloqué sur Facebook, je m'en sortais pas déjà en 2017, et j'ai été, ça m'a encouragé à aller me présenter aux législatives sur mon propre argent. Vous voyez, j'étais avec les moyens du bord, c'est pas du tout les moyens que vous me voyez aujourd'hui. Donc j'avais mis ça, je dénonçais déjà tout là, dans la vidéo, hein. La franc-maçonnerie, Mélenchon, je vous ai mis, tiens, allez, on va le remettre sur Mélenchon, tant qu'on est là. Vous êtes là? Eh bien, regardez, depuis 2017, ce que je vous dis sur Mélenchon, que vous risquez d'élire aujourd'hui si vous insistez avec cette histoire de RIC, de 6ème République, mais le RIC, c'est fait par le France Insoumise, les copains à Mélenchon, Ruffin, Chouard et les autres, et Mélenchon. Arrêtez avec ça, vous allez redonner le pays dans les mains des mêmes francs-maçons, Mélenchon et compagnie. Arrêtez avec le RIC. Vous voyez bien les gens qui vous emmènent vers le RIC, qui sont-ils? Tiens, on va écouter là ce mec-là. Sont Donc beaucoup il plus est nets. des LR, il a porté plainte contre. Non, il n'a pas porté plainte, il a dénoncé Mélenchon, les agissements de Mélenchon avec l'argent public, l'argent public. Et Mélenchon a porté plainte contre lui pour diffamation et il a perdu. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas diffamé. Les médias, personne, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un média en toucher un mot. Et en plus, en 2017, c'était le moment ou jamais pour en parler. Regardez, écoutez cet homme. Vous savez, les hommes politiques, aujourd'hui, dans l'état actuel du système français, pourris, sont tous pourris. Hein, je vous fais pas de révélation. Et on peut moi, je considère, on peut considérer que les Le Pen et Fillon, par rapport aux autres, sont beaucoup plus honnêtes. Hein, si on prend les autres comme repère, on trouve immédiatement que honnête, Fillon est honnête et Le Pen est très honnête. Pourquoi? En comparaison. Pourquoi? Parce qu'au moins eux, ils ne cherchent pas à faire la morale aux autres. Ils savent que tout le monde mange. Bon. Ils ne sortent pas les dossiers des autres. Ce qui pourrait, hein, c'est trop facile. Tout le monde, ce que là, je vous dis, vous trouvez partout. Tout le monde le sait. Et Fillon n'est pas en train de rêver lorsqu'il a parlé de cabinet noir. De notre cher président. Il n'est pas du tout en train de rêver. C'est le béaba. Certainement que lui-même avait son propre cabinet noir à l'époque. C'est le vraiment. À quoi ça sert sinon d'avoir le pouvoir, d'être à l'Élysée, à Matignon, à quoi ça sert au final, hein? Je vous laisse avec la vidéo. D'élus qui font embaucher dans des collectivités leurs femmes, leurs cousines, leurs filles. C'est énorme. Quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire, mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Mais moi, je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi, j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne. Et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. La nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions, elle est généralisée. Moi, et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi je le fais condamner parce que il utilise des voitures et des chauffeurs du conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule. Et que comme sur son argent de sénateur,
il va quand même pas payer un chauffeur. C'est le conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du conseil général et membre de la commission permanente. Mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque. Il était chargé de ça. Mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ses indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Mais, et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais. Ça la fout mal quand même. Il dit, il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre. Et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ses produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il y était secrétaire d'État et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le sourire de la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public et sur M. Fillon. Et alors, pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je ne sais pas, ne s'en est pas fait écho, pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault, qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local, qui s'appelait Les Républicains, et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public, la presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge pour lui dire, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans ce département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges. D'accord. Il y avait une amitié alors entre eux? Mais il y a une fascination évidente. Et si vous regardez les photos où ils se regardent, entre Mélenchon et Dassault, c'est très très étrange. Il y a une fascination entre le marchand d'armes et Octobre Rouge. L'éducation nationale nous hisse en dernier, dans les derniers, dans tous les classements mondiaux. Voilà mes amis, donc vous voyez comment j'étais en 2017. Qu'est-ce que je dénonçais? Tiens, c'est donc Jean Drock, je vous ai dit. Ici, c'est ce manipulateur. Ce que j'avais dit, voilà. Donné comme information, c'est surtout le... Là, l'heure de se réveiller, que pourtant j'aime bien parce qu'il avait fait une bonne vidéo sur les MK Ultra. Et sur les causes de la mort, de l'assassinat de Kennedy, sauf que là, c'était juste pour dire qu'il s'est planté sur l'analyse des gilets jaunes. Hein. Pour lui, il fallait pas donc se laisser embarquer par ce mouvement. Il fallait plutôt juste faire le boycott. Il voyait un danger dans le fait que les gilets jaunes s'est apparu d'un coup et partout dans tous les pays. Ce qui n'est pas faux, parce que c'est téléguidé, mais ce qui ne veut pas dire que des gilets jaunes comme vous et moi, nous devons nous arrêter, passer à autre chose, parce qu'il y a quelques manipulateurs qui guident les troupeaux. Hein. S'ils ont mis les manipulateurs qui guident le troupeau, c'est pour plusieurs raisons, mais aussi pour canaliser la colère qui existe de toute façon avec ou sans eux. Donc, je veux dire, la, la,
La solution n'est pas de dire ok, bon bah si c'est manipulé, moi je m'arrête et je les suis pas. Voilà. Malheureusement, à la fin, donc il dit quelle est la solution. Et puis voilà, il donne sa solution qui est très mauvaise. Là, bon bah voilà, madame comédienne, madame manipulation. Pareil, hein, je te mets plein de scandales dans les yeux, justement, pour pouvoir gagner ta confiance et pour pouvoir te parler comme je veux le moment venu, te renvoyer vers les copains Jean Drock, Saber Solo, etc., les mêmes copains. Voilà, je vous ai mis tout ça. Qui d'autre? Tiens, regardez qui y avait à l'époque déjà. Regardez, chez Medim Nawar, le 8 décembre 2018 et même avant. Regardez, mais c'est ce bon vieux Ramos que beaucoup là sortent de nulle part pour vous en parler et gagner votre confiance. Voilà, qui j'avais mis d'autre? Tiens, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, cette divine créature toute douce en contact avec les extraterrestres et qui nous explique la franc-maçonnerie, mais avec des extrapolations de d'autres planètes, des planètes des gentils, les planètes des méchants, etc. Bon, voilà, encore, voilà, j'ai plusieurs fois. Et donc ils ont en commun tous ces gens-là d'avoir vu dans le pacte de l'ONU là un danger imminent justement pour vous détourner du vrai combat des gilets jaunes, y compris l'heure de se réveiller malheureusement. Hein. Donc là c'est l'éveilleur endormi ou qui veut nous faire dormir. Ensuite c'est ici que j'ai tiré donc la capture que je vous ai mis. Vous voyez ils sont là les casseurs. Regardez, ils ont ça, c'est les premiers soirs. Hein. Des gilets jaunes, ils ont quand même un brassard, hein, les casseurs, un brassard police. Hein. Voilà. Lorsque, à l'époque, personne ne savait que existait ce système. Aujourd'hui, bon, bah, vous avez tous ouvert les yeux. À l'époque, personne ne se doutait de ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui les a filmés en caméra discrète. C'était l'acte 2, 3 ou 1, mais c'était vraiment les premiers actes avant que vous enfin vous ouvriez les yeux. Hein. Lorsque tout le monde croyait que les casseurs c'était des casseurs, avant qu'on ne démontre que c'est la police qui casse et c'est les mercenaires de la police qui cassent. Donc on les voit bien revenir là, une fois qu'ils ont cassé à la fin, on les voit bien, c'est à ce moment-là qu'ils mettent leur brassard, ouais, vous voyez, ils reviennent par groupe, et c'est là qu'ils mettent leur brassard police, et là ils sont filmés discrètement, ils savent pas, vous voyez le brassard rouge. Voilà, toute l'équipe, et lorsqu'ils sont dans la foule, vous ne pouvez pas les reconnaître. Et bien tout ça, mes amis, c'est dès le 17 novembre, avant le 17 novembre, après le 17 novembre, et là, pour le coup, cette vidéo, regardez, le 8 décembre, malheureusement, bon ben moi je n'ai pas l'exposition que la franc-maçonnerie accorde aux siens. Ici, bon ben on revient pas là-dessus. Cette manipulatrice que j'ai dénoncée, regardez, je vous avais tout mis, regardez comment elle était. Comment elle était brune, ici elle parle aux morts. Tiens, écoutez-la un peu. Vous vous rendez compte ce que j'ai? J'ai un trésor à la maison. Puisque à la base, puisqu'il y a le contrôle, je dirais, au niveau des ongles, il n'y avait rien. Ah ben non, il n'y avait rien au départ. Il faut préciser, c'est qu'il n'y avait strictement rien au départ. Il y a je dirais oui, une matérialisation. Donc là, moi quand j'obtiens... Enfin, quand j'obtiens... Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Si, non, si, mais, oh, bah. Non, non, c'est pas ça. C'est quand je peux constater qu'il y a des fragments comme ça, c'est comme si je découvrais le Saint Graal, quoi. Hein. Parce que c'est quelque chose qui vient d'une autre dimension et qu'on obtient dans la nôtre. Donc... d'où notre recherche passionnée là-dessus, parce que c'est alors aujourd'hui évidemment si on avait un gentil mécène qui viendrait nous aider, évidemment qu'on aurait beaucoup plus de renseignements, évidemment. Donc on lance un message à tout mécène qui serait intéressé par notre recherche
D'ailleurs, en plus, il ferait partie des pionniers de ce siècle, parce qu'il n'y en a plus. Personne ne le fait. On va pas dire, c'est vrai que on se sent seul quand même hein, dans cette recherche. Oui. Oui. On se sent seul. Oui. Parce que on peut pas communiquer avec d'autres personnes, puisque personne ne le fait. Des informations avant, après, pendant. Mais on sait qu'il y avait des médiums régurgitateurs. Je peux vous dire que ce n'en est pas un. C'est impossible. Avec les contrôles que j'ai fait, ce n'est pas un médium régurgitateur. Après, donc on a les contrôles physiques. Il faut vérifier la peau, puisque l'ectoplasme s'extériorise par tous les orifices, mais peut aussi s'extérioriser par les pores. Puisque on l'a déjà eu en séance. Donc ce que je dis, c'est vrai. C'est... Tout ce que je dis, de toute façon, c'est expérimenté et vu. Voilà. Je ne me base pas sur ce qui a été fait avant, c'est expérimenté et vu. Constaté. Il n'y a pas d'influence. Constaté, voilà. Ensuite, parmi les contrôles, contrôle de la bouche, contrôle des mains, des ongles, puisque l'ectoplasme peut aussi s'extérioriser sous les ongles. On a déjà eu des fragments ectoplasmiques sous les ongles. J'étais contente ce jour-là. Non mais c'est vrai, c'est tellement extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc voilà, bon, tout un tas de contrôles physiques, le médium se retrouve nu et elle va dans la salle, elle n'a jamais accès à la salle où ça se passe, la salle est fermée, elle ne peut pas y entrer, elle est sous surveillance constante à partir du moment où elle vient sur le lieu où se déroulent les séances d'ectoplasmie, elle est suivie en permanence. Donc, en fait, même pour aller aux toilettes, elle est obligée de me le dire. Disons voilà. Ça garantit, je dirais, l'authenticité d'une séance. Entre-temps, notre colère populaire et légitime, aura été épuisée dans de faciles revendications de prix d'essence et d'un pouvoir d'achat abstrait, invérifiable, et au final des réclamations économiques qui ne seront jamais satisfaites parce qu'ils diminueront l'un pour augmenter l'autre. Donc là, vous reconnaissez votre serviteur. Cette vidéo, elle est du 27 novembre et celle-ci, dans laquelle je l'ai incrustée, elle est du 8 décembre. Hein. Je dénonçais déjà tout le monde. Là, je vais te répondre. Alors, Amal Corinne, hein, je vais te répondre. Donc là, qui j'ai mis d'autre encore Ramous. Les fakes qu'on reçoit par la France vendue à l'ONU, l'Alsace, etc., qu'on reçoit par Messenger. Ici, vous voyez, j'avais dénoncé le fait que les tags étaient effacés et remplacés donc sur l'Arc de Triomphe. Comme les racistes, comme les antiracistes. Comme... J'avais dénoncé, hein, c'était très suspect. Il y a beaucoup de tags, regardez, qui sont effacés. Remplacé et plein de tags complètement sans explication inutile qui prouvent que les Anonymous sont contrôlés, sont une fabrication de l'État, parce que franchement, n'avoir que ça à foutre, Anonymous France en est là, au lieu d'écrire franc-maçonnerie, ici on a bien un message, on voit ici, on dirait le sigle des Rothschild, ou alors de, enfin c'est le petit, la petite couronne des Rothschild, ou de plusieurs marques, hein, comme Maserati, il me semble, comme Rolex, voilà, et c'est effacé, on ne peut pas lire hein, l'écriture qu'il y a, ils ont écrit dessus Pico, Picopa, Macron, enfin, vous voyez, ils mettent par-dessus des messages intéressants, des messages complètement inutiles, Anonymous, etc., pour masquer la vérité. Alors tout ça, je l'avais mis. Ouais, en plus, je vous avais mis le rapprochement avec Rolex. C'est qu'on voit, il y avait une image de Rolex derrière. Bon, bref. Reprendre les... C'est, voilà, là, vous voyez, c'est aussi, il n'y a pas que Rolex qui utilise... et là, c'était le Che Guevara hein, qui portait donc une Rolex. Hein. Attendez, là, hop. Donc là, c'est pas
Si j'ai dit Che Guevara, c'est bien Castro, hein, Fidel Castro. Bon, ça va vite, hein, parce que j'ai mis beaucoup d'informations dans très peu de temps. Ici, c'est quand je militais donc contre le vote pour Macron. Regardez, c'était moi dans un bureau de vote, tout sauf Macron. Vous voyez? Malheureusement, hein, tout le monde était endormi et tout le monde écoutait Mélenchon. Ça. C'est un visuel qui a été censuré sur Twitter de Panamza qui dit Israël a fait le 11 septembre. Ici, c'est un tract de 2013 hein, qui avait déjà les gilets jaunes contre la réforme des rythmes scolaires. C'est un tract syndical. Donc vous voyez bien, tout ceci vient bien de mouvements gauchistes à la base. Bon, bah, après, beaucoup de choses se sont agglomérés hein, à ce mouvement. Et je répète, le RIC, hein, là, allez, je vous mets celle-là, ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas l'habitude de me regarder, c'est quelques visuels à la fin qui sont importants. Et après, donc, je te réponds à Malcorine. Regardez. Voilà, venez les gars! Venez les gars! Venez, venez, venez! Venez avec nous, venez avec nous! Venez avec nous! Venez avec nous, les gars! Les gars, venez! Les gars, venez! Voilà, je pense que vous avez vu beaucoup de choses à la fin, juste en trois images, hein, comme quoi, enfin, c'est le même gars qui est utilisé pour faire la pub de Mélenchon qui, soi-disant, veut entrer. La République, c'est moi qui casse la porte et tout pour entrer de force. Et c'est la même personne qu'on voit donc dans la protection de Macron, avec Benalla d'ailleurs, on voit lui et Benalla dans la protection de Macron, et c'est la même personne qu'on va voir tenir l'enfant. Alors je vais mettre à l'écran, tenir l'enfant, le bébé là, qui sera comme par hasard sauvé par ce black sans papier qui, comme par hasard, s'est très bien escaladé, qui, comme par hasard, passait ce jour-là par là, comme par hasard. Donc, je vous avais tout déjà mis. Hein. Vous n'avez plus besoin de regarder la télé pour voir si l'agression des policiers est vraie ou fausse, si Finkielkraut qui se fait donc dire quelques vérités est vraie ou orchestrée, tout est orchestré. Nous vivons dans un monde d'orchestration, les amis. Tout est orchestré. On vous dit tout le temps la réalité dépasse la fiction parce que tout simplement c'est de la fiction. C'est une fiction qui dépasse une autre fiction. C'est aussi bête que ça. Il ne vous arrive pas autant d'histoires extraordinaires dans votre vie, du type vous faites une belle rencontre qui vous rend la journaliste vedette de la télé française, par exemple, alors que vous avez en poche uniquement un bac eu au rattrapage. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, tiens. Amal Corinne Bouhadiou. Hein, alors, je t'ai eu hier au téléphone, Amal Corinne. Hein, tu étais dans ta voiture. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux venir là en live discuter avec moi, parce que je vois que tu veux donc te montrer à l'écran. Viens, Amal Corinne. Donc bon, je vais te lire. Donc tu dis, son live est terminé par rapport à Sarah Jeanne. Il va falloir expliquer cette urgence à vouloir l'interrompre dans son propre live Mehdi. Tout simplement parce que elle fait semblant, comme Fly Rider, comme beaucoup d'autres, comme Momo de Independenza TV, enfin, c'est imprononçable, et surtout Maxime Nicole, Drouet, beaucoup d'autres qui font semblant de lire tous les commentaires alors qu'ils ne lisent que les commentaires qui ne sont pas dérangeants. Du type, tous les commentaires sur la franc-maçonnerie, les choses dérangeantes, ils font semblant de ne pas les voir. Du type, lorsqu'ils disent, allez, je vais prendre quelqu'un
pour discuter avec comme ça au hasard. On a fait l'expérience avec mes amis plein de fois. On était tous là, comme là à l'instant, la preuve en était, tous en disant: Oui, là, Medim Nawar, là, il veut te parler. Là, 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 regarde, là, là, regarde, il s'appelle Medim Nawar, il est là, il est là, il est là. Vous avez la personne qui lit comme ça calmement et puis dit: Oh, bon, y a personne alors qui veut parler. Oh, c'est bien dommage. Oh, il n'y a personne qui veut parler. Là, tu vois, des gyrophares partout. Il est là, il est là, il est là, il veut te parler. Et au final, comme d'habitude, ils prennent que les personnes qui ne sont pas dérangeantes ou les personnes qu'ils connaissent. Ils sont tous invités les uns les autres chez Saber. Alors là, nous avons cette personne qui dit: Non, moi je suis contre eux, mais au final, bon, même moi, j'ai vraiment cru que c'était une vraie dissidente. Hein. Mais là, on a vu tout à l'heure sur son profil, sur son YouTube, qu'au final, il n'y avait pas grand-chose en vidéo. Il y avait, je crois que je les ai comptés, une douzaine de vidéos avec un nombre incroyable d'abonnés. Voilà, et encore une Jacqueline Gourault, hein, encore une invention du système, hein, pour capter les déçus des gilets jaunes orchestrés, puisque maintenant, je vais dire, le pot aux roses a été découvert. Ben, il faut fabriquer les anti-contre-révolutionnaires. Et puis la machine à rêve continue encore et encore. Et on vous capte d'ici pour vous renvoyer là-bas. Et une fois que vous avez découvert que c'est une impasse, ben, vous avez quelqu'un qui arrive que pour dire: Attention, c'est des menteurs, ceux-là, c'est une impasse. Venez, venez voir la preuve, là, là, là. Et vous suivez le nouveau menteur. Mais vous êtes enfermé tout le temps dans le putain de mensonge. Tout simplement. Mélenchon a été découvert, eh bien on vous fabrique Chouard, Asselineau, Ruffin, des francs-maçons menteurs comme lui. L'ERIC, c'est pour. Parce que la 6ème République a été découverte comme étant un enfermement supplémentaire chez la franc-maçonnerie. Parce que pourquoi déjà il y a 5 républiques? Pourquoi on est à la 5ème République? Parce que toutes les précédentes, à chaque fois qu'on a découvert que les francs-maçons ont pris tous les pouvoirs, on les a chassés et on a dit, ils ont dit, ok, c'est bon, on va vous en faire une nouvelle, c'est terminé cette fois-ci, c'est sûr et certain. Et on est parti, hein, sur la 3ème, la 4ème, la 5ème. Et là, on vous refait le coup, un petit reset en disant, ok, c'est bon, on va régler le problème, on va faire la 6ème République. Et maintenant qu'ils ont vu que ce discours ne prend plus, 6e, 12e ou 20e, qu'est-ce qu'on fait? On va l'appeler différemment, on vous dit ok. On va vous faire le RIC. Hein. Là, c'est sûr, il n'y aura plus de corruption, le RIC. Alors là, tout va aller mieux. Hein. Tout le monde aura sa chance. Ça sera plus la République de la corruption. Ça sera plus la République des privilèges. Ça sera plus les clans qui trustent entre eux le pouvoir, l'argent, etc. Mais là, c'est sûr, le RIC, c'est terminé, les mecs. C'est le produit miracle pour régler tous les problèmes. Hein. Vous pouvez toujours y croire, hein, ou vous pouvez, c'est bon. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes autonomes dans les Gilets jaunes, et s'il n'y en avait pas, ils auraient réussi à éteindre le mouvement lorsqu'ils ont essayé de le débrancher. Donc depuis décembre dernier, malheureusement, et heureusement pour nous, ils n'ont pas réussi à le débrancher. Donc je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes autonomes. Et donc c'est à ces personnes-là que je parle. Et qui moi-même me donne beaucoup d'espoir. Ces personnes qui font que chaque acte, il y a des gilets jaunes sur le terrain, il y a des personnes qui filment des lives et pas juste comme ça pour faire des autographes et puis après inventer à chaque fois une sortie théâtrale. Soit ils ont été attaqués par ci, soit ils ont été arrêtés par là pour garde à vue, etc. Ça leur permet comme ça de fuir la foule, les questions, etc. Non, je parle à vous. Les gilets jaunes autonomes dans votre réflexion, vous réfléchissez par vous-même, créez vos propres structures, ne serait-ce qu'avec des amis, des copains, commencez à mettre en place des organisations à vous. Hein. Ça, vous prenez un stylo, une feuille, et vous réfléchissez, vous constituez en association s'il le faut, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'écouter le discours de ceux qui vous disent: Ah non, mais donnez pas. Montrez pas votre visage, ne donnez pas votre nom parce que vous allez être fiché. Il y a un moment, il va falloir les prendre. Hein. C'est, vous savez, même si vous êtes une femme, il va falloir les prendre et ne plus avoir peur. Hein. Affichez-vous, regardez, Medim Nawar, je suis affiché. Ça doit arriver, ça arrivera. Hein.
Et si on est dans ce pétrin, c'est parce que dans le passé, les générations précédentes n'ont pas réussi à porter leur message, ils n'avaient pas Internet. Et bien aujourd'hui, on a Internet, mais parlez tous, comme ça, ils ne peuvent pas nous faire la peau à tous. Si vous me laissez seul à parler, peut-être une deuxième ou une troisième personne, nous sommes aujourd'hui très très rares à dire la vérité, mais extrêmement rares. Hein. Ce n'est pas Sarah, Jeanne ou d'autres qui utilisent encore une fois un début de vérité. Ce n'est pas parce que Sarah Jeanne va parler de Ramos ou d'autres, qu'elle aura en réalité dénoncé l'intégralité du système corrompu qui se base sur l'outil de la justice familiale, qui déséquilibre la garde des enfants entre les parents, qui aussi la politique de vaccination, l'école idéologique qui déforme la tête de nos enfants. Et il y a un tas de problèmes, hein. Il faut pas s'arrêter. Je vous ai montré que j'ai dénoncé Ramos et les autres bien avant elle et bien avant d'autres, mais faut pas s'arrêter à ça, hein. Les gens qui vous montrent juste ça, parce que ça a été découvert de toute façon. Donc le système, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, vous avez découvert une manipulation, et bah, il vous met comme ça un faux messie à lui, comme ça vous écoutez pas les vrais dissidents. Donc voilà, Amal Corinne, tu dis, bon bah tu regarderas le replay, bon bah je sais pas, hein, peut-être je vais te bloquer. Et toi, tu dis, donc après, toi non plus, tu ne lis pas tes commentaires, je viens de te lire, je viens de te répondre, donc tu es une menteuse. Et si tu veux me répondre, moi je suis prêt à te prendre en live, viens, 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 je te prends en live. Voilà, donc Sarah Jeanne, on a tout essayé, vous pouvez donc rembobiner ce live pour voir comment elle a fait, c'est vraiment incroyable, pour éviter tous les commentaires qui l'appelaient donc à venir discuter en live avec moi. Je l'attendais là pour la prendre en live avec moi, ou ne serait-ce que pour établir un contact, ou ce que vous voulez. De tous les jours précédents, j'ai mis donc des commentaires sur ces vidéos en disant oui, t'as raison pour Ramos, t'as raison pour Drouet, t'as raison. C'est ce que je dénonce tout le temps. Je lui dis viens, j'ai des preuves, contacte-moi, que nini. Donc là, je voulais vraiment tirer ça au clair. J'ai ouvert ce live spécialement pour traiter cette question et aussi pour que vous puissiez voir avec moi la réalité de la chose, parce qu'on avait fait ça avec les copains aussi lors d'un live Independenza. On va faire ça à chaque fois, les amis, hein. On va les mettre et ça sera preuve à chaque fois contre chacun et chacune d'entre eux. Tous les manipulateurs qui font soi-disant des lives où ils font mine, ils font semblant qu'il y ait une interaction entre eux et le public, ce qui veut dire que rien n'est censuré, qu'on peut leur dire ce qu'on veut et dénoncer ce qu'on veut. 95% c'est faux. La preuve, nous pouvons à chaque fois la réaliser ensemble. C'est-à-dire que vous avez bien participé avec moi, je vous en remercie. De toute façon, ça restera, tout ce que vous avez écrit, ça restera dans mon live. Vous pourrez, et on pourra tous le regarder, vous avez été courageuses et courageux. Hein. Je vous ai nommé tout à l'heure, mais il y a beaucoup que je n'ai pas vu, mais vous avez été merveilleux. Les gyrophares que vous leur avez mis, les panneaux de signalisation que vous lui avez mis à Sarah Jeanne, de dire Medim Nawar, etc. Mais c'était phénoménal. On ne peut pas passer à côté de ça. Et si elle ne l'a pas vu là, lors de son live, parce qu'elle était à fond dans son truc, ce qu'on peut comprendre, hein, malgré qu'elle a lu plusieurs commentaires. Hein. Si elle l'a pas vu là, franchement, elle va le voir là hors antenne, maintenant qu'elle a arrêté son live. Et si elle reste de pas vouloir savoir faire une recherche simple sur Google, écrire Medim Nawar, et là je vous avais montré, hein, moi depuis le temps, maintenant Google me sort tous les sites dans lesquels j'apparais, ça sort immédiatement. Il me connaît Google, il n'y a pas de souci, hein, il suffit de taper Medim Nawar, Google me connaît parfaitement. Donc on va voir, moi je vous donne, vous pouvez compter sur moi, hein. S'il me contacte, de toute façon je discute avec elle, mais de toute façon elle vient en live avec moi, comme ça vous pouvez suivre la conversation, et si elle refuse de venir en live avec moi, bah, je vous le dirai, voilà je l'ai eu, elle n'a pas voulu venir en live avec moi. Non, non, moi je ne jouerai pas les amis, moi je n'ai rien à perdre, je suis incorruptible, je fais tout ça pour mes enfants, vous voyez, le sapin c'est pour eux, leurs photos, Lila, ma fille, Naël, mon fils, je ne vois pas mes enfants, je fais ça pour mes enfants depuis des années, je me suis présenté sur mon propre argent aux législatives, hein. Je perds de l'argent, je n'en gagne pas, d'accord?
gens. Et je, depuis le début, je dénonce ces gens-là, la franc-maçonnerie, les Mélenchon, les Asselineau, les Chouard. Chouard, ce n'est pas sa première tentative, il était là. Il a réussi à débrancher Nuit Debout, les Finkielkraut, les réalisations de fausses agressions de policiers. Pour Nuit Debout, ils avaient fait une voiture qui crame avec un super flic ninja. Cette fois-ci, ils ont fait deux tentatives avec des voitures de policiers. La voiture noire que je vous ai montrée, qu'ils n'ont pas très gardée parce qu'elle était mal réussie, comme lorsqu'ils ont fait marche arrière, ils ont esquinté une voiture garée et ils ont recommencé le coup. Et là, du coup, ça a été médiatisé. Le coup de la pauvre policière qui a très 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 peur et dans un camion de police avec un policier lui calme, un policier ninja si vous voulez, mais ninja verbalement quoi, hein, il gère mais tout doux quoi, ouais, avance. Je gère, avance, avance, je gère. Je vous ai montré tout ça avec en toile de fond cette petite image subliminale du drapeau palestinien pour vous dire voilà, les méchants, ils savent plutôt les Palestiniens. Si vous les suivez, vous êtes antisémites. Vous avez vu après la folle semaine d'attaque contre les juifs que nous avons vécu pour qu'à la fin Macron puisse faire ses habituelles cérémonies et qu'il nous promette une loi qui va nous empêcher encore plus de nous voir, vous et moi, et voir beaucoup d'autres travaux sur internet. Si vous ne faites pas un lien logique et évident entre tout ce que je viens de vous dire, eh bien je ne peux plus rien pour vous, mes chers amis, hein. Restez endormis, ou alors vous faites partie du système, comme tous ceux qui viennent dire oh, je comprends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, eh ben écoute, je te bloque. Maintenant on va plus perdre de temps. Ceux qui font semblant de ne pas comprendre pour justement infiltrer donc des profils qui vont signaler mes lives pour censurer ou eux-mêmes pour décourager, pour disant ah oui mais il y a trop de complots ici, je vais aller ailleurs, hop, bloqué. Donc allez, je vais lire donc les derniers. Donc bon bah elle est vraiment partie à mal. À mal, t'as dit que tu regarderais en replay, alors je te laisse regarder en replay pour avoir ta réaction après. Je vais vous saluer très rapidement. Avant ça, je lis les derniers commentaires. Donc Arnaud Binet, merci frérot. Donc voilà, un infiltré, là, regardez. Bab Dior qui dit n'importe quoi plusieurs fois, ils ont répondu à mes questions. Bravo Fly, Eric, Jérôme, etc. etc. Voilà un agent donc infiltré. Faut pas se prendre la tête, il faut le bloquer. Bab Dior, je vous invite à le bloquer. D'ailleurs, je vais montrer à tous ceux que j'ai bloqués depuis le temps. Ça vous aidera, hein, si vous voulez vous débarrasser de tous ces faux comptes de l'intelligence artificielle et aussi d'idiots utiles. Hein. Vous avez qu'à suivre mon fichier de blocage, je vais vous l'afficher bientôt. Hein. Donc là, Bab Dior, que je viens de bloquer, vous pouvez le bloquer, c'est sûr. Tiens, Raphaël Gross, tu dis « moi je la sentais pas », tu parles de Sarah Jeanne. Depuis sa première vidéo que j'ai vue, juste à l'observer et à son air de bœuf, et ses gestuels, et à des intonations du visage. Mais c'est pareil, moi je dirais même qu'elle doit être dans le coup avec tout ce beau monde-là. Saber, etc., qui est venu en bas de son immeuble, etc., ça semble extraordinaire comme récit. Et je veux dire, personne ne poursuit, personne en justice, c'est quand même grave, hein, c'est venir chercher quelqu'un en bas de son immeuble et tout. Bon, moi, pour moi, c'est la même boîte, hein, c'est la franc-maçonnerie, c'est pas possible, c'est trop, ça devient trop. Donc, voilà, on a eu le même sentiment, Raphaël Gross. Fred Suisse, bonjour à toi aussi, Raphaël Gross. Parfaitement, Raphaël Gross. Arnaud Binet, est-ce que j'ai entendu du Nouvel Ordre Mondial? Mais bien entendu, nous sommes déjà là-dedans. Cool Raoul, tu n'as pas vu, tu regardais le live? Bah, c'est bizarre, tu es aveugle alors. Raphaël Gross, merci, tu me dis bravo à toi, mes 10 respects. Arnaud Binet, Asselineau, mais bien sûr, Asselineau est un cheval de Troie. Sandrine Caloc, bonjour Mehdi, tu devrais prendre contact avec Mika.
Je te donne le lien de son dernier live si tu veux aller voir. Avec plaisir, Sandrine Caloc, et bonjour. Arnaud Binet, alors pourquoi tu as mis tous ces panneaux? Allez voir, Indien, donc sur Dotsub, avec plaisir. Je ne t'efface pas. Élise, bonjour. Arnaud Binet, donc tu m'as mis un autre lien. Pas très bien, là je peux pas tout regarder, hein. Raphaël Gross, tu la connaissais pas avant. Au moins je vous ai montré, je vous en ai fait sa pub. Eric MT, et qui sont les bonnes personnes pour toi? Vaste question. Je suis très à l'aise avec Eric Fioril et avec moi-même. Pour l'instant, je ne peux pas, malheureusement, dans un monde pareil, et pour que la manipulation, l'orchestration dure aussi longtemps, pendant des siècles, c'est que forcément, nous sommes très, 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 très peu de personnes. On va dire entre parenthèses parano, hein, parce qu'il faut être parano hein, pour se méfier en permanence des nouvelles inventions du système, et incorruptible, parce qu'il faut aussi être incorruptible, sinon c'est pas la peine. Hein. Voilà, pour l'instant, je n'ai rencontré ces qualités d'abord qu'en votre serviteur. Hein, je veux dire, c'est vraiment en toute humilité, je vous le dis. Hein. Sinon, je ne me présenterai pas, je ne prendrai pas des risques pour ma vie hein, devant vous tous les jours à dénoncer. Donc, votre humble serviteur, et ensuite, c'est ce monsieur Éric Fioril, qui pareil, hein, il y va pas par le dos de la cuillère, il dit ce qu'il faut dire sur la franc-maçonnerie. Ça m'assombrit tout ça. Voilà. Alors, mes chers amis, on arrête avec les questions. Je veux couper ce live, donc c'est juste pour vous lire rapidement, vous saluer, arrêter. C'est vraiment pas le moment. J'ai pas dit que c'était une question, des questions-réponses. C'est prévu que je fasse un live ce soir, et ce soir, je vous parlerai donc de l'œil inversé de Jérôme Rodrigue et d'autres sujets. Allez, Eric, Arnaud Binet, as-tu parlé des chemtrails? Je fais que ça. J'ai même fait des visuels où j'ai pris des images flagrantes de chemtrails. Là, la dernière, c'était sur l'acte 14, en plein acte 14, alors qu'on avait une magnifique journée. Bah, d'un coup, on a eu un ciel laiteux, et pour cause, j'ai pris en photo les espèces de plateaux d'échecs, hein, les damiers, hein, les damiers dessinés par les avions, hein. Ok, allez, Frank Chase, bonjour. Donc voilà, tu es arrivé trop tard, Joe Cool Raoul, tout à l'heure. As-tu parlé de l'eau? L'eau, il y a tant à dire, hein. L'eau permet justement de tenir des pays économiquement. Ça permet aussi de nous injecter ce que nous refusons de prendre. Que ce soit au travers des vaccins ou autres, bah, en dernière finalité, c'est quand même mis dans l'eau. Voilà, j'espère t'en avoir parlé. Moi, je préfère parler de la franc-maçonnerie, de tous ceux qui créent tout ça. C'est quand même plus intéressant. Sylviane Boncompain, t'as tout essayé, ma Sylviane, on l'a vu tout à l'heure. T'as tout essayé hein, pour qu'elle voie ton message, que tu l'appelais à venir me parler. Hein. T'as tout essayé, ma Sylviane, vraiment chapeau. Arnaud Binet, merci, merci à toi aussi frérot. Allez les amis, je vais vous saluer très rapidement. Donc, ceux que je n'ai pas vus, donc Sicia Afrita, tu me dis, tu m'as mis le lien de Sarah, mais on était dessus, on a tout vu. Hein. Sicia, merci, mais c'est réglé l'histoire de Sarah. Hein. Qu'elle me contacte hors antenne et j'organiserai un live entre moi et elle. Et si elle me contacte pas, ou si elle me contacte pour refuser je vais dire de venir s'exprimer, ben je vous le dirai. Hein, je veux dire, il va falloir dénoncer tout ça. Hein, il faut que ça s'arrête. Hein, le système, il peut pas tout le temps jouer avec vous et avec nous. Hein. Allez, Mavinos Elpicteros, donc t'avais pas compris, toi, tu disais. Pourquoi tu ne lui parles plus en direct, Mehdi, à Sarah? T'avais pas compris que c'était toute ma démarche, que j'ai tout essayé pour lui parler en direct. Mais c'est pas grave. Bonjour et bonne journée, Sylviane.
Tiens, Jamila Ben Garali, tu dis franchement, la Sarah, elle m'a saoulé, je l'ai coupée avant, je n'ai rien compris à ces histoires. Bah, Jamila, n'hésite pas si tu n'es pas dans mes contacts à m'ajouter. Voilà. Bonjour, Sarah Marie Clara Aboud, bonjour. Raphaël Gross, donc, bonjour. Joe Cool Raoul, Amal, je te salue quand même. Arnaud Binet, frérot. Tous ceux que je n'aurais pas salués, Farid, Suisse, Sandrine Caloc, Élise QT, Eric MT, Frank Chase, Sylviane, Sylviane, ma chère Sylviane, bon copain, Assia Marie, tiens, bonne journée à toi aussi, Marie Lefebvre Tavernier, bonjour et à ce soir. Et puis bah, tous les autres, je vois que vous êtes beaucoup plus, vous êtes en moins 24. Les amis, voilà, reprenez pour ceux qui sont arrivés en cours de route la vidéo en replay. On se retrouve ce soir. J'avais pas préparé ce live, hein, je suis en grave contre-jour. On se retrouve ce soir, mes chers amis. Et voilà, je vais vous mettre à suivre là le menu, donc on va parler de l'œil de Jérôme Rodrigue. A-t-il été inversé ou est-ce une magouille tout ça? Je vous dis à ce soir, mes amis.